Prout, prout, prout. Putain, pourquoi ça? What J'adore tes tests de son. Ils sont enjoués, endiablés. Il y a de l'amour, de l'émotion. fuck? Non, en fait, moi, ce que je me Tu sais, le demande, pire, c'est que c'est. tu vas passer dans l'intro, là, tu vois? Hey, salut tout le monde, c'est Taek et aujourd'hui on se retrouve pour du PVP. Hey, salut le chat, comment ça va? Voilà, je suis avec mon chat et je suis avec plein de gens. Voilà, mon chat voulait participer parce qu'il s'est dit, ah bah attends, il invite des gens, je veux participer aussi, voilà. Donc je suis avec Dark Even et Azn-Ching, soit, enfin vous pouvez l'appeler Zazu. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Even, salut Zazu. Salut Panda. Et voilà. On est prêt? On est ready? Sur quelle map on est aujourd'hui? On est sur Blast Wars 2. Allez, Blast Wars 2, attention, c'est parti aujourd'hui. Alors attention, on a un truc complètement incroyable et magnifique qu'on a testé pendant 90 games d'affilée. Et aujourd'hui, on est là pour du sang, pour de l'action, pour du fun, pour du suspense. Vous allez voir, attention, il n'y a que 3 classes qu'on a à choisir. Et pourtant, elles sont pour le moins très intéressantes. Hein, telles des champions de League of Legends, il faut jouer longtemps pour en tirer toutes leurs subtilités et les techniques de combat incroyables. Nous sommes affûtés tels des guerriers acérés et aujourd'hui, on va se déchirer. Are you ready? Je lui dis d'arrêter. Oui, je suis aussi. Le mec qui coupe dans son truc. Eh, hey, mec, stop. Calme-toi, c'est du coupé, PVP. Coupé, coupé. Mais non, ne coupez on pas. On recommence. Tu as mal prononcé League of Legends. C'est pas grave. Donc, bah parle-nous des... Vas-y, je reprends sur les trois catégories de duels et de duelistes Donc, que comme nous vous le voyez, jouer. On a des têtes, et elles sont vachement jolies ces têtes. On peut prendre oui, c'est vrai que moi j'ai pas ma tête. Ouais. Les gens vont se dire, mais c'est qui ce mec qui squatte la chaîne de Taek là? On a des petites têtes donc d'Endermar, de Creeper et de Blaze. Donc celle-ci vous apporte donc des caractéristiques différentes. Hein. On a 3 sorts au total. Une qu'on peut lancer, l'autre on peut cliquer droit donc sur le sol et l'autre on clique tout simplement qui s'actionne comme ça. Donc vous allez le voir. Le but donc est tout simplement de faire tomber les adversaires de la plateforme. Donc c'est un peu la reprise de Super Smash Bros Brawl, on va dire. Et donc avec plusieurs maps en plus, qu'il a pensé à mettre plusieurs maps. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et il y a les scores, voilà, juste ici. D'ailleurs, on a une petite référence à Rastamol qui travaille avec nous, qui fait les maps et ainsi de suite. Donc, on lui fait un gros bisou en même temps parce qu'il y a son nom, il est venu tester avec nous juste avant. Ouais, c'est vrai, on s'est tapé des bonnes barres. Parce que sinon, les gens vont faire c'est qui Rasta? Il y a un mec bizarre, on sait pas où il est. Et il est là, quoi. Voilà. Et sinon, bah, on peut se lancer, hein, du coup. Je sinon, pense. On peut se lancer, ouais. Bah, écoutez, il y a plein de maps. Donc, moi, je vous propose qu'on fasse random map. Allez, vas-y. Mais le random map à notre manière, tu vois. C'est-à-dire? Ah oui, je clique plein de fois sur le bouton et un de vous deux clique au milieu. Allez Zazu, vas-y. C'est parti. Et attention, il a tiré le violet. Et orange. Et orange. C'est bien, on est tombé sur purple, tu l'as. Voilà, bah écoutez, on a une classe chacun différente. Oh non, vous avez pris... on a tous pris la même. On est tous Enderman là? Bah ce qu'on va faire, c'est je vais expliquer un peu la classe vite fait Blaze. Bah vas-y, si tu veux, on te laisse... Enderman. Vas-y, vas-y. Non mais c'est bon, on combat les mecs. On combat quand même. On combat. Okay. Donc Blaze, moi j'ai un truc qui permet de me lancer un truc comme ça, qui fait des explosions, qui fait en fait venir une tempête, une météorite. J'ai mon deuxième qui est un poulpe, un Blaze que je pose par terre qui m'accélère la place. Vas-y, tape le. J'en ai un troisième qui me permet de... Non. Voilà. J'ai pas pu finir. Elle est nulle ta classe, bouh. Mais du coup oui, la troisième me permet de tirer des fireballs et permet aussi de faire un jetpack. Et après vous, bah du coup Azn, parle-nous de la classe Enderman que tu viens de tester et que tu vas torcher. Comme ça Dark prend Creeper pour la prochaine. Ça marche, je prends Creeper. Bon allez, on fait un petit rendez-vous. Alors pour expliquer ouais, l'Enderman qu'on avait, donc la torche de redstone que je lasse par terre, ce sont des mines de proximité donc qui s'activent si vous les touchez en contact, donc elles peuvent rester sur la map, donc vous pouvez en éparpiller partout. Vous avez un œuf qui vous lâche donc une sorte de poulpe qui va vous immobiliser pendant quelques secondes et une Ender Pearl pour vous voyager. Et donc l'Enderman a une certaine capacité, c'est celle de taper beaucoup plus fort quand même que certains. Et qui envoie plus loin. Ouais. Fou. Alors moi j'ai le creeper donc je vais l'expliquer tout de suite du coup avec ma poupe ma. Voilà, bah, par exemple là j'ai pu éjecter, donc je peux m'amuser à m'envoyer en l'air. Tiens, clairement. Regarde le jetpack. Oui, jetpack, voilà. Jetpack de Taek. Version Taek. Voilà. Version Taek. C'est pas vraiment un jetpack. Hein. Un jet Taek. Non, mais voilà. Oh, non. Donc j'ai. Oh, mais du coup, avec mon truc kamikaze, je crois que j'ai réussi à faire tomber Az. Je sais pas si c'est toi qui l'as eu ou moi je l'avais lancé aussi une. Comme vous voyez, donc le Blaze lance les petites météorites comme ça qui tombent. Qui sont vachement bien faits, hein, du plus bel effet. Donc ça vous en met plein la tête, hein, que ce soit les boules de feu qui lancent ou autre. Le Blaze, c'est vraiment pour les épileptiques. C'est la classe épileptique. Ah, je suis mort.
Et voilà, et je gagne sans rien faire, c'est magnifique. Tu joues au Creeper ? Et voilà, oui, je joue au Creeper. Et donc, il me restait, celle que j'ai pas expliqué, je crois, c'est la petite étoile de feu d'artifice qui permet de faire décoller deux personnes en même temps, c'est-à-dire que nous et les joueurs qui sont en face vont s'envoler. Et la dernière. Ça dépend, si t'es dans le rayon, voilà. Ça te fait voler. Si toi, t'es pas dans le rayon et que tu t'écartes en le lançant, t'es pas dedans. Voilà, stratégiquement, il faut bien les utiliser. Et enfin, la dernière, donc c'est le Creeper chargé, c'est-à-dire un œuf que vous posez par terre et qui fait exploser, voilà. Donc maintenant, vous connaissez tout, place à l'action. Place au pur délire. Voilà, place au random. T'avais cliqué ? Hop ! C'est bon, vous faites à votre façon. Allez, bleu ! What ? Mais c'est pas du tout bleu, ça c'était rose. oh, c'est rainbow ! Bleu, orange, what the... Voilà, ce qui est arrivé arriva. Vous allez voir, on a un mix de maps. Tu crois que tu penses qu'on peut sortir ? Je sens que quand on va tomber dans le vide tout simplement et ça va recharger la map. Non, je pense pas. Regarde, hop là. Non, et en plus, énorme. Tu peux. Et on a un mix c'est de énorme. Maps. C'est énorme ! Fou ! On a réussi à mixer deux maps. C'est pour vous, c'est en exclusivité, on est les seuls à savoir faire ça. Les seuls. Ah non, David Guetta s'est mixé aussi. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est. Voilà. c'est particulier, on va dire. C'était trop bien ça, quoi. Avec l'explosion du Creeper. Ouais, c'est n'importe quoi. Et c'est moi où ils me courent tous après, où ils sont en train de se battre en duel et ça fout. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux pas. As depuis les 80 batailles qu'on fait, en fait, à chaque fois que je fais un duel avec lui, c'est lui qui me tèche par terre, donc j'ose plus trop. Même si on force, vous allez entendre le spam clic à fond. Attends, et l'autre il est en train de nous regarder, il prend des photos, arrête Azn, on peut pas faire ça là. Hé, je vais les mettre sur voici le youtubeur. Oh putain, foiré. J'ai rien fait. Ah, c'était une mine. Ah bon? Ah, j'ai bouffé une mine. Alors vous avez un spectateur mode et en plus avec la molette vous pouvez accélérer la vitesse. D'ailleurs on voit le bout de map. Et on voit un peu comment c'est fait, attention, c'est le match décisif. Azn Ching versus Tek. Attention en Enderman. Qui va gagner. Il commence à lâcher des mines progressivement. Et non, c'est Zazu qui prend la mine. Heureusement, il commence à continuer. Le saut de mouton, c'est. Oh là 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 là. Il arrive dangereusement sur le bord. Et malheureusement, Azn Ching, avec sa force légendaire, a réussi à mettre Tek dehors. Attention, deux points pour Azn. Je tentais la technique du. Je bouge pas, on va voir ce qu'il fait. T'aurais pas dû. Ça a pas bien marché. C'est une tentative. Du coup, je vais me prendre Creeper, tiens, maintenant. Comme ça, moi, je montre un peu toutes les classes. Vous en répétez ce que ça fait. Enderman. Oh putain, je l'ai pris en plein vol. Je sais pas comment j'ai fait. Décoller. Oh là là. Oh. Putain, c'est risqué. Voilà. Là. Non. La tête. Mais j'entends même pas les explosions, c'est marrant ça. J'ai glissé moi, mais peut-être remonte ton son. Ouais, je remonterai un petit peu le son parce qu'en fait là j'entends. Bah, c'est vrai qu'on entend plus vos clics de souris que les zones d'arperle. Ouais, c'est vrai. Mais là j'entends plus rien. Oula, ah, c'est contre toi que je joue là. Ouais. Encore une de nos nombreuses finales. Ouais, magnifique. Ah, ça, c'est parce qu'ils jouent en Norman. Hein. Moi, j'essaie de vous montrer, mais eux, ils sont pas du tout fair-play. Oh oui, le petit oui trou, le petit trou. Eh oui, malheureusement, c'est le petit trou. Et alors, attends. Je vais avoir par une attaque du petit trou. attaque très très rare. Alors, je vais remettre le son, music and sound. Ben voilà, elle est là, celle qu'on aime. Ah Norman. Ouais. Ah, voilà. Tire Dark, il est. Mais ça a commencé. Hein, mec. Je prends le blaze, oh j'ai pris le blaze au dernier moment, comme ça je vais pouvoir vous avoir montré en fait tout ce qu'il y a. Alors vous voyez, on peut s'éjecter comme ça non en l'air. Voilà. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. 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 Je suis n'importe où. Il est en train de se taper des barres, tu sais. Je l'ai pas vu moi. Bon, vous l'aurez vu sur la vue de tête. Il est en train de nous violer. Il nous viole en plus, c'est un machiavélique, c'est horrible. Si c'est, tu l'entends pas. Mais il est là, il est présent, il le montre. C'est qu'on entend. Tête qu'un ninja. Ah, c'est un fou, quoi. Oh, c'est un fou. Attends, maintenant, je regarde toujours derrière moi. Ouais, voilà, parce que lui... Ouais, tu sais, t'as vu. C'est le mec, il vous prend par derrière, mais vraiment pas surprise. C'est vraiment dégueulasse. Tu insinues que j'adore les sodomies-surprises, c'est ça? Exactement, ouais. Ah, mais t'arrives, tu fais surprise, motherfucker. Alors ça nous permet d'accélérer, c'est plutôt pas mal. Pour faire du taillot. Allez. Oh là là, ça explose de partout là. Ah ouais, mais moi je c'est presque j'en lagré là. Oh là là, j'aimerais pas être à ta... Non. Oui. Oui. Et viens là, mec. Lui en Enderman, je passe pas. Non, j'ai plus de trucs. Non mais j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. T'as vu? Il est chiant, il est frustrant. Il est frustrant. Et l'autre il se marre, il en peut plus, voilà. Voilà, mais c'est toujours pareil, il y en a que pour lui. Genre, il y aura pas de commentaire de non, Zazu. Non, non. Il est parti, il a mis son serveur en off. Non, mais comme tu l'as dit, c'est un homme d'action. C'est pas lui qui va te faire le commentaire.
Puis il est là pour t'en foutre plein la gueule en fait. Mais même pour moi, c'est ce... le problème c'est que moi aussi j'y ai droit ça. Attends, tous sur lui, vas-y, tous sur lui. Ah, je vais souffrir ça maintenant. Tiens! Ah mince, je suis trompé de personne. Non, arrête, oh toi. Putain, mon Enderman. Ah non, mais c'est bon, il a pris Blaze, il l'a perdu, il a pas pris Enderman. Oh, bah, il m'a quand même jarté quoi. Et toujours le duel, attention, double Blaze, bataille de boules de feu. Non mais en plus c'est que je le tape avec un 9 quoi. Ouais, je vois ça, ouais, c'est assez beau. Oh là là, c'est incroyable, mais... Oh mais quelle folie. Mais cette quelle maîtrise folie. Oh cette maîtrise. Et là, tu, c'est la technique du jeu part en courant. Et attention, Tech qui repart sous une flambée de boules de feu. Attention, l'accélération du Tech. Azulchik ne lâche pas prise. Et c'est là le tour de l'arène, le tour de l'arène, le retournement de situation. Non, toujours pas. Tech qui tourne autour de son trou. Incroyable, un 360. Incroyable, et unique. Et non, c'est les gens. Et non, c'est les Tidi tidi, j'ai bien le mal, il fait tidi tidi. Je sais pas, c'est le cri du désespoir. Si tu regardes mon enregistrement en même temps, t'as toute la vidéo qui hurle. Oh putain. Attends, il faut qu'il laisse gagner Tech maintenant. Ouais, bah laisse-moi gagner aussi. Toi. Non, non. Putain, l'enfoiré. Non mec, non mec, non, non mec. il tient en sneak, j'adore. Non. Oui. Double mort. Égalité. One. One the game. Et voilà. Et c'est one. Il a pas gagné. Ouais, j'étais en sneak en mode. Non, s'il te plaît. En fait, jamais ça peut faire en la bande annonce quoi. One the game. Hop là. Non, non, je fais que passer. Enfoiré, ça a marché en plus. Mec, je sautais par-dessus la mine quoi. Bon. Alors, cette fois-ci, nous avons un Enderman contre Azn. Et là, le match promet d'être serré, les amis. Attention, oh, il sépare par-dessus la troisième. Alors, tentative du milieu, Tech qui reste toujours sur ses positions, qui tente une approche, une légère approche, attention, Azn qui tente de couper les ponts avec Tech. C'est bien le cas. Et Tech qui saute par-dessus le pont, parce qu'il en a marre. C'était beau. Il a sauté. Je me suis... Attends, je me suis trompé, je pensais avoir l'underpearl dans la main, j'avais l'œuf. Ça a pas du tout marché du coup. Du coup, il y a un poulpe qui l'a accompagné dans sa chute, tu sais. Ah, c'était... Tu sais, c'était en mode... Ah, les back and... Voilà, hein, merci. L'approche du day. Qu'est-ce que t'as lancé? Attends, c'est ton underpearl là? Le mec, il s'est mis en mode random. T'as tant qu'elle retombe ou elle est tombée dans l'eau? J'attends qu'elle retombe en fait. J'ai jamais retombé la machine. Il m'a lancé un truc, il est jamais revenu. Allez, viens que je te caresse. En dans fait, le elle du disparaît poil. Au bout d'une certaine longueur. Ouais. C'est dommage. Dommage. C'est vachement bizarre cette fois. Non. J'ai fait me tuer tout seul. Oh quand même. Yes. Le oh, souffle yes. de l'explosion. Il a suffi que je pète pour le battre. Ah ah. Et hop, j'ai encore pété une fois. Et c'est le double kill. C'est le double P. Comment laisser gagner Tech maintenant? J'ai fait un double P. Quoi? Putain, j'ai toujours pas gagné. Non mais je passe pour quoi moi maintenant? Ouais, il faut laisser gagner Tech maintenant. Oh putain merde, ouais. C'est bon, j'ai ouais, pris le coup. C'était dans le contrat. Quoi. Ouais mince, putain. Putain. Eh bah oubliez pas de couper ça au montage. Oh putain, Orange, non. Faut couper ça au montage. C'est quoi le montage? C'est quoi le montage? Non, Zazou, diffusion. Non mais Zazou, écoute-moi. Non. Voilà, hein, exactement. C'est ce que j'allais te dire. Ouf, putain, il s'envoie en l'air en plus. Oulala. Là là, c'est pas hein, le maman, le hein, ça se... en l'air. Là, il va pas falloir faire ça. Attention, c'est Tech qui revient. Oh là là, c'est le poupon. Oh le retour du Tech, c'est un... Volte-face, mais pas elle trop sur la surface. Volte-face, ouais, je me... Si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. J'attendais bien le moment où tu allais le dire. On est tous au bout de feu. Non. Là là là, mais putain, il n'y a plus rien en dessous de moi. Vicieux, il nous a défoncé tous les deux, quoi. Voilà, il est content, il rigole, mais hein. En plus je l'entends même pas sur son micro à lui, je l'entends sur ton micro à toi. Oh putain. Du coup pour moi c'est la même personne qui parle, on dirait vraiment un schizophrène, hein. Je sais pas pour vous, mais il joue avec deux comptes. J'en rigole, je me pisse dessus. Tu pourras arrêter, je suis à côté s'il te plaît. Ah non mais vas-y, mais ça fait des trous mais... des petits trous partout. Hop. Non. Oh j'en ai marre. Ah là j'en ai marre. Là je rage. Ah là, je rage quitte. Je rage qui quitte. Ça y est. Rage qui quitte. Allez, mec. Dark, t'es mort. C'est... Ah non, Azn, il a un Blaze. Allez, Dark, t'as gagné. Non.
Et oui, j'ai gagné. Je l'avais dit. Et oui, en fait, j'ai prédit moi. Et oui, Jamy, j'ai gagné. Ok, c'est moi qui vais choisir la map. Vas-y. Ouf. Je sais plus à quelle elle. Graal. Graal. Il a pris le Graal. Dynamite. J'ai de la dynamite. J'hésiterai pas à m'en servir. T'as fait péter mon truc qui est censé te faire voler. C'est n'importe quoi, quoi. On comprend rien, tu sais, on jump. On... Ah non. Ah. Ah, mais là, je lâche. Je veux pas gagner une seule game, les mecs. Vous savez pas ce qui est horrible, une c'est seule. Que tout à l'heure. On va en 10. Ouais. Tout à l'heure, j'ai joué comme un fou. Tout à l'heure, t'as dit, ouais, putain, dommage que je filme pas, je suis en train de gagner. Ah ouais, c'était clairement ça. Hein. Et là, la chance est partie. C'est à cause et de j'ai dit, en plus, je l'ai dit qu'en tournant, j'allais plus avoir de chance. Ah non, tu fais pas des trous en dessous de toi comme ça, toi. Hein. Oh, aussi. Ah, mais du coup, j'ai pas pris la bonne classe, enfin, j'ai plus le temps. Je suis toujours creeper, quoi. Allez. Banzai. Ah, mais t'es là, toi. Banzai. Oh non. Ok, au moins. Je voilà. Les cède. Attention, Tech qui repart. C'est le grand plongeon du Zazuki. Résiste encore. Tech qui prend l'accélération. Et c'est Zazuki qui commence à continuer. Parage. Il commence non, à continuer. J'essaye d'être. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on et gagne. Et c'est la première victoire de Tech. Bravo, Tech. On applaudit. Ah, merci. Ouais. Tu m'interviews. Alors, monsieur Tech, comment vous avez vécu un petit peu cette expérience? Ah, c'était grandiose. Grandiose. Bon, rappelle-moi maintenant... quand j'ai eu moins de 200 euros retirés de ce que m'a coûté. De ce que m'a coûté Zazu, mais. Et sinon, ça va. C'était cool. Bon, vous allez arrêter de vous faire sauter comme ça. Hein. On aime s'envoyer en l'air, qu'est-ce que tu veux? Plus on est de fous, plus. Bon, j'arrête de passer dans les trucs. Plus on jouit. De musique, de l'action. Jump 360. Oh, je l'ai vu. Allez. Je l'ai vu en direct. Après, re-3-6. Je le regarde en plus. Eh mec, tu fais quoi? Viens faire des 3-6. Alors, c'est comme Dabtech quand il te tire dessus. Il fait plus du tir de dissuasion, mais. Je te dissuade. C'est tous les tirs, c'est exactement ça, quoi. Oh, c'est bien vu! Et non, esquivé par Zazu. C'est encore. Oh, hé, la TNT est tombée sur son crâne et elle a pas explosé. Pas mal. Demandez rien de nouvelles. Non! Et j'étais sûr que j'allais être. Et voilà comment on gagne! Tu disais plus rien, je dis tiens, plus de réaction, je fais ça y est, il a mute son micro, je sais pas. Je dis bon, je reste en haleine. En haleine? Je sais pas si ça se dit. Je reste en haleine. Ouais, ça se dit, mais c'est vachement bizarre. Non. En suspens, ouais. Bon, bah voilà, je vous ai appris comment gagner. Donc ah, on l'avait pas faite celle-là encore. Sur Blast War. Ah, ouais, on l'a pas faite. Ouais. Vous courez et vous droppez. Ça peut être une technique, hein. Avec ça l'Enderman, marche vous... super bien. Quand on essaie de vous taper un peu, bah vous faites. Zazu à la réception. Oui. Yeah. Oh. Rock'n'roll, baby. Bah, on va rester au centre. Attention. D'accord. Ouais, c'était le jeu le plus nul. Et ça, c'était magnifique. Et voilà comment on gagne une game. Bah là, il revient. Continue, hein. il revient à l'assaut là. Le premier à 10, ça win. Hein. Je vais plus rire maintenant. Je vais plus rire. Et on a pas dit qu'on me focussait. Voilà. Ah, quand on dit bravo, à 10. Bravo, focus. Attends, en fait, je l'ai motivé. Le problème, c'est que tu as dit qu'il fallait à 10. Le mec, il arrive, il s'est mis en mode Popeye quoi. Et Popeye. Je suis en train de taper partout maintenant. Regarde. Sur la vidéo, on va entendre juste. C'était bien, ouais, bah niveau du son, on a un bon mixeur. Vas-tu mourir? Bon. Oh! Oh le 3-6 de. Oh Zazu, t'as fait un 3-6, il était magnifique, ça m'a donné un orgasme. Non mais le. Oh, voilà. T'es sérieux? Ça par contre, ça m'a. Oh oui, l'égalité! Parfait, ça me va très bien pour moi. Je préfère me suicider. Oh le con! Il s'est vraiment. Il est sérieux? Il s'est vraiment suicidé. En fait, c'est que. Non! Non! Tu y vas! Et toi? Et toi, t'y vas? Position fœtus, quoi. Hop là! Tu t'es rattrapé comment? Je suis resté sur le bloc où j'étais. Vraiment, j'ai fait un petit saut. Et toi, en fait, t'as défoncé toute ta partie. Et moi, c'était bon. Oh là là. Bon, on se ligue? Non. T'as pas le droit au suicide. Pas le droit au suicide, Az. Tu sais très bien qu'on s'est déjà tous ligués contre toi depuis très longtemps. Tiens. Et voilà, je saute dans le vide en mode hey, salut, ils sont en train de se battre, je saute dans les trous, comment ça va? Pourquoi j'arrive pas à t'éjecter? Mais c'est dingue. Regardez, Dark Ivan qui perd. Allez. Et il est mort de rien.
Putain. Et il a la 10ème victoire. Putain, bravo, enculé. Pardon. C'est fait battre par t'as ça. Vraiment bien joué, bâtard. Franchement, j'adore ce que tu fais, enculé. J'adore ce que tu fais, je suis vraiment fan. Vraiment, toi aussi. De sale zazu. Toi aussi. Non, mais toi aussi, là. Et voilà, alors, ça veut peut-être. Les gens ils vont peut-être faire what the fuck, voilà, mais. C'était voilà, what the fuck, hein. C'était what the fuck, mais franchement, c'est une arène qui est sympa. Une fois que vous y attardez un petit peu, vous allez découvrir des trucs très sympathiques. Donc, honnêtement, bah, je vous conseille fortement, en tout cas, d'aller sur cette map, d'y jouer. Hein. Après, voilà, c'est pour la détente. On attend, j'espère, la venue du troisième. Ouais, du troisième. Franchement, on sera là pour la troisième. En plus, on est mignon. Le meilleur jeu dans cette map, c'est de sauter sans toucher la boue. Ouais, c'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'on fait tous depuis tout à l'heure, en fait. C'est un vieux réflexe. Le Minecraftien qui s'ennuie, c'est ça, quoi. C'est... Soit tu trouves un truc pour sauter partout, soit tu te les inventes. Là, bah ça, c'était c'est pas fort au jump. Et là, mec, moi, tu sais que je suis à 300 de hauteur. Hein. Si je tombe, je suis mort. Bon, du coup, on va se laisser ici. Je vous invite à aller bien sur la chaîne de eux là, enfin, et je crois que ça s'appelle AZN, ils ont pris le début de lui. Bah, c'est machin truc production. Ils ont pris le début de lui aussi, et après ils ont mis production. Voilà. Et ça donne, leur chaîne. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui veulent voir eh bien, le point de vue de Tag, je sais que beaucoup de gens dans notre communauté les connaissent déjà, mais on ne sait jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, allez-y. En tout cas, n'hésitez pas, le pouce bleu, le commentaire, comme d'habitude, on espère vous voir nombreux, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, comme d'habitude, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures de fun, de fun et de folie. Allez, ciao à tous. Salut. Ciao. À la prochaine. Fais faire un mot de fin. Désolé. J'attendais le ciao et à la prochaine. Mais oui.